Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un gros claquage AliExpress. Donc, je ne sais pas si je vais faire une ou deux vidéos, ça dépendra de la durée de la première. Donc, il y a des vraies petites pépites. On commence tout de suite par les washi. Je viens de les ouvrir, comme ça on va pas perdre de temps. Ça, à chaque fois, ça me demande un certain temps. Hop. Alors, on va commencer par celui-ci, qui n'est pas vraiment un washi. En fait, c'est des stickers qui sont collés en rond, les uns sur les autres. Donc, celui-là, je l'indiquerai en washi pensé. Alors, c'est pareil, je fais déjà tous les washi. Le souci, c'est que je ne sais plus auquel appartient le code. Donc, moi, je vais vous mettre tous les liens des washi. Donc, en général, par exemple, celui-là, ça sera washi pensée. Celui-ci, par exemple, c'est fleurs, washi fleurs. Ici, il y a des dames et des fleurs, donc ça sera washi fleurs jaunes plus dames. Hein, je pense que comme ça, vous allez pouvoir les retrouver. Là, ça sera pareil. Ce sera washi fleurs plus dames roses. Ici, ça sera fleurs bleues, je pense. Là, fleurs orange. Et ici, ça sera Asie. C'est un washi Asie. Allez, on commence. Bon, celui-là, je viens de vous le montrer. Hop. Alors, oh, comment je l'ai défait? Voilà. Il est très beau celui-ci. Je vous le défais pas entièrement parce que il n'y en a pas deux fois la même image. Et sinon, je vais tout remettre après. Ça va être un petit peu long. Donc celui-ci est magnifique. Donc ce sera washi fleur blanche plus femme. Hop, celui-ci. Super beau. Washi fleur orange. Ils sont assez grandes, vraiment sympa. Pareil, hein, je les fais pas entièrement pour être en galère pour tout ranger après. Ici, on a washi à fleurs jaunes. Jaune et bleu. Vraiment beau, hein? Voilà. Hop. Désolée, ça prend un peu de temps. Ici, on a washi, femme et fleurs jaunes. Oh, c'est joli, hein. Les filles sont très jolies. Vraiment les petits détails dans le visage, c'est vraiment très beau. On a tous les styles d'habillement. J'aime beaucoup. Allez, il en reste deux. Femme plus fleurs rose et violet. Bon, j'arrive pas. Ah.
J'y arrive pas, celui-ci. Ah, les autres se sont tout bien défaits. Et puis celui-ci, il veut pas. Désolé avec le bruit. Il y a deux scotch, c'est pour ça que j'y arrive pas. Voilà. Bon, moi, de toute façon, après, je vais enlever le scotch. Je mettrai un élastique, comme sur tous mes washi. Parce que les scotch, c'est pénible. Voilà. Oh, il y a des cadres aussi. Avec, pareil, les visages sont très beaux. Voilà, donc j'ai rangé. Il nous reste plus que celui-ci. Et où est le scotch? Là. Oh, c'est superbe. Des très jolis éventails, des objets de déco, des paysages. C'est vraiment très beau. Hein. Pareil, pas deux fois le même. Bon, je ne défais pas complètement. Voilà, donc on a fini pour les washi. Et on va continuer. Alors ça, ça ressemble à un washi. Simplement, c'est en bande. Il n'y en a qu'une, hein, je crois. Ce sont des livres. J'ai trouvé ça trop mignon, mélanger les livres et les fleurs. Alors, il y en a beaucoup. Je ne vais pas vous dire le prix à chaque fois, parce qu'il faut que je ressorte le cahier, etc. Mais je vous mets les prix, pas de souci, en barre d'infos. Hein, en même temps que les liens. Alors... Tiens, on va passer à un grand. On va passer à celui-ci qui est magnifique. Vous le savez, j'en ai déjà pas mal des cahiers comme ça. Alors, où ça commence? Où c'est que ça colle là? Voilà. Chercher l'ouverture. Donc, j'adore la couverture déjà. Et comme les autres albums. On va retrouver des très jolis stickers. Oh, j'adore ça, c'est super beau. Les femmes sont très belles, les décos sont très jolies. On a des fleurs. Alors la différence, parce qu'il y a deux parties en fait dans ces albums là, il y a ici où il n'y a pas de contour blanc autour des stickers, et ensuite après les fleurs, on a des stickers ici avec contour blanc. Ça dépend ce que vous aimez utiliser. Moi, j'avoue que je préfère ceux sans bord blanc, mais sinon c'est pas trop dérangeant. Le corset est très beau. Ah, sympa le disque. Bon, j'arrive pas à tourner les pages. Voilà. Ah.
On a des images de quartier, un tour de Londres. Ça, c'est très beau aussi. Même les étiquettes sont très jolies. Les tags. Wow, c'est trop beau. J'aime beaucoup celui-ci. Et voilà. C'est tout pour celui-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, hein. Ah là, ça va être un grand choix, mais. Hop. Alors. Ici. Stickers. Femme. The girl in the painting. Ok. Alors là, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Parce qu'ils ne sont pas très grands. Mais j'aime bien en avoir des petits aussi pour le petit album que j'ai. Et ça me permet de pouvoir mettre aussi des très jolies femmes. Elles sont très belles, elles ont des très belles robes. J'en mets un peu partout. Machine à écrire. Ah, le beau couple. Voilà. Allez, on continue avec celui-ci. Alors, il me semble que j'en ai deux. Oui. Donc, on va avoir le rose et le violet. Donc, je mettrai Victorian. Hein. Donc, c'est stickers de femmes plus des cadres. Ils sont un petit peu plus grands. Les cadres sont très jolis. On a quelques fleurs. Voilà. On passe au rose. Pareil, des femmes, des fleurs, des cadres. Bon, les cadres, ils sont très jolis. Donc à chaque fois, il y en a deux, aussi bien pour les femmes que pour les cadres. On a des fleurs. Voilà, ici on va passer à des découpes.
J'en ai pas beaucoup. Des découpes. Voilà. Donc ici, on a un mélange de noir, de blanc et de papier craft. Ils sont très jolis. Même en blanc. Là, on est en carré. En noir. Blanc. Là, on va avoir la même chose. Je vous les passe pas tous un par un. J'en passe un et ça suffit. Hop. Donc, en forme de cercle avec des fleurs. Là, pareil. Et en forme de lune. C'est très beau. Hop, on range tout ça. Et on passe au suivant. Alors on a ici un livre. Carrément un gros bloc. Donc il y en a 50 différents. Et puis, trop joli celui-là avec le chat. Donc, on a des très beaux paysages, des très belles images, avec des chats ou pas. Ce sont des stickers, hein. Moi, je fais attention parce qu'il y en a un qui se déchire. Bon, c'est très joli ça. Bon, je vous les passe pas tous un par un, je vous en passe quelques-uns. Voilà, je ne les passe pas tous. Ah, il y en a un qui est décroché. Hop. Très beau. J'aime beaucoup. On va passer à un deuxième grand album. Il est grand celui-là. Hein. Il fait combien? 17 sur 23,5. Il est bien grand. Et si je me rappelle bien, la particularité de celui-ci, c'est qu'elles ne sont pas découpées, les stickers. C'est à vous de le faire. Donc, très beau. Et c'est à vous de découper avec soit un ciseau, soit un cutter. Voilà. Bien sûr, c'est en stickers. Hein, les pages se décollent. Les couleurs sont très jolies. Très belles horloges. Il y a quand même pas mal de pages, hein. Et voilà la dernière page. Non, l'avant-dernière. Et voilà.
J'aime beaucoup celui-ci aussi. Ça demandera un petit peu plus de travail, mais c'est pas bien grave. Allez, on continue. Alors, ici, au coin du jardin. On a des échelles avec des fleurs. Des feuilles mortes au coin d'un mur, c'est très joli. Encore des échelles. Du lierre. C'est pas des feuilles mortes, enfin bref. C'est très beau, j'aime bien. Petite vision de l'automne là. Hop, on continue. On continue avec la petite boîte. Alors cette petite boîte, je l'adore parce que on a carrément le rangement en fait. Donc si on pouvait avoir souvent la boîte directement, donc ici ce sera petit stickers dans une boîte, hein, bien sûr. Et là on va retrouver combien il y en a, 400 pièces. On a 400 petites dames. Je vous en montre quelques-unes. On a un peu toutes les époques, toutes les tenues. Là, on a de l'air victorien. Là, hop. Là, on a maintenant plus contemporain. Et celui-ci, là, très joli aussi. Je sais pas si ça fait zoom ou pas. Alors attendez, voilà. Je les adore, ils sont tous très beaux, puis alors il y en a tellement. Je vais pas tous vous les défaire, mais voilà. Vous voyez que. Il y en a vraiment beaucoup. Et donc la boîte très utile. Déjà, elle est très belle. Parfait. Alors là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas acheté de tampons. Voilà. Comment je vais le mettre? Attendez, je cherche. Est-ce que vous le voyez assez bien là? Oui, ça va aller. Donc, il est très beau. Journal de Paris, lundi 22 avril 1784. C'est très beau. J'aime beaucoup. Hop. On passe au suivant. Donc là, on a une pochette avec plusieurs matériaux. Bon, c'est pas grave, il y en a un qui s'est sauvé. Donc, on a des papiers et il y en a pas mal. Papier du journaux. Publicitaire, etc. Ensuite, on a la même chose mais un peu plus petit. Là, on a des recettes ou des publicités, pareil. Ensuite, on a des étiquettes.
Alors ceux-ci, ils sont... Je ne sais pas si c'est... Je vais regarder. J'ai pas l'impression que ce soit sous forme de... Non. Alors les plus petits, c'est sous forme de papier, hein. Ils sont pas stickers. Les plus grands, je vais regarder ça. Les plus grands, j'ai l'impression que ce sont stickers. Je vais regarder, je suis pas sûre. Non, je ne crois pas. Non, c'est sous forme de papier. Je préférerais vérifier pour vous le dire. Donc celui-là, papier. Là, on a les étiquettes. On a des publicités, eau de lavande. Encore des étiquettes. Sont très jolies. Les petits tickets. Voilà. Super, comme ça vous avez rien vu, je suis mal cadrée. Je suis désolée. Je me recadre mieux. Donc voilà toutes les étiquettes. Les papiers, je vous les remontre puisque je n'étais pas dans le cadre. Et les plus grands papiers. Voilà. Allez, on continue. Donc là, c'est des fleurs. Oh là, je fais bouger mon écran. Voilà. Oui, moi je le vois sous forme d'écran. Hein. Mon téléphone, il est mis sous forme d'écran. Donc, d'ailleurs, j'envisage d'acheter. Je sais pas si vous connaissez. Enfin, si vous devez connaître, il y a certains d'entre vous qui doivent les avoir. Les ronds lumineux pour avoir une meilleure luminosité. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous en avez, comment, si ça marche bien. Donc là, j'essayais de l'attraper depuis tout à l'heure, mais c'est une grande planche, celle-ci. Donc hop, on a des très jolies fleurs violettes. Il y en a deux à chaque fois. Sont très jolies. Allez, on continue. Là, on retrouve les petits livres que j'aime beaucoup. Alors, où est l'ouverture? Ah bah, de l'autre côté. Donc, petit livre de stickers. J'aime beaucoup la première page déjà. Donc, couleur violette. À voir si c'est tout le livre qui est comme ça. Les femmes sont très belles, encore une fois. Ah, on a quelques hommes. Pas souvent. Ah, les couleurs varient. Donc après le violet, on a du bleu.
très beau bleu turquoise. On a quelques images un peu steampunk. Et voilà la dernière page. On continue avec ce petit album de papier. Alors, moi je vais vous les montrer comme ça. Ça ira un petit peu plus vite. Donc c'est des décors, des maisons, très beaux. Et vous avez plusieurs fois, trois fois le même papier. Le dernier, celui-ci, très beau. J'aime beaucoup. Allez, il ne me reste plus que ça. Je vais essayer de le faire tout de suite. Là, on a une collection. J'en ai acheté, j'ai acheté les quatre parce que je les trouvais très très beaux. C'est des petites filles, donc elles sont vraiment mignonnes. Je vais vous les montrer. On commence par celle-ci. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Avec un petit chien, un petit chat, un lapin. Les petites filles sont trop mignonnes. Là encore un petit chat, c'est un petit ange. Très très beau. Celui-là, c'est le jaune. Après, on a le rose. Sont très très belles. Petite souillon. Je dirais un peu Cendrillon en souillon. Et voilà. Bon, il y en a deux à chaque fois. Hein. Là, ils étaient bien rangés, donc c'est plus facile. Ensuite, on a les verts. Aussi, on a des petits anges. Les petites elfes avec les petites oreilles pointues. Je pouvais pas choisir, il y avait les quatre. J'ai dit non, je les prends tous. Ils sont vraiment trop beaux. Allez, je me dépêche. Il reste le violet.
Il y en a un très beau là, dans son petit bocal. Là, on a une petite fée. Voilà. Allez, on a bientôt fini. Il nous reste ces trois-là. C'est pareil, c'est une collection. Je ne les ai pas tous pris, par contre, cette fois-ci. J'en ai pris trois. On a la première. Alors, c'est pareil. Les filles sont très grandes. Enfin, les personnages sont très grands. Ils font bien 12 cm, donc c'est assez grand. Et les tenues sont magnifiques. Regardez-moi ça, ces robes magnifiques. On a plusieurs couleurs. Blanc, rouge, bleu, encore du blanc, du gris, noir, violet, rose. Vraiment très beau. Hein. On n'en avait qu'un à chaque fois, par contre. Hop, celui-ci. Ce n'est pas les mêmes tenues. Hop. Donc les robes sont différentes. On a des looks plus contemporains en pantalon. Un peu pirate. Très, très belle. Et voilà, on arrive au dernier. Les tenues sont très élégantes encore, et plus noir et blanc en fait. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser. Je suis désolée, cette vidéo est un petit peu longue. 39 minutes pour tout vous montrer. Je préfère, bon, j'y étais, donc j'ai continué en une seule vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré. Et puis, à aller les voir en barre d'infos pour les liens et les prix. Je vous remercie. Bisous. Au revoir.